Hola chicas, hola chicos, et bienvenue dans Le démon qui saoule. Oh shit. Bah non, c'est devenu plus puissante. C'est quoi, c'est le poids, ça? Oh putain, on comprend rien, cet affichage. Poids 5-0. Tais-toi! Il ferme ta gueule. Bon, regardez celui-là. Hello. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Blanc. Ah, qui pas tout à fait blanc. Tunnel de Rochecrow, il est totalement noir là, j'ai l'impression. Peut-être qu'il manque un seul truc. Je sais pas combien là? 54. D'accord. Où est-ce que l'on va aller maintenant? Ça, je regarde. Attends, quoi? Quoi? Bon, bref, je comprends rien. Putain de merde. Ce truc est à moi, on va tous être d'accord. Hein. Ok. Où allons-nous? Je ne sais pas. Attends, déjà, on va le noter. Voilà. Ah, monde 5, j'ai fait tous les boss. Il y a apparemment il y a un Red Dragon. Enfin ça me perturbe de ouf. On va.
Old King Doran. 1-1. Ah, pardon, dans le 1-1, il manque encore des. Il manque des boss. Des boss optionnels. Le Red Dragon, c'est celui du pont, donc en soi. Ça rame du cul. Genre en fait déjà il y a. Déjà là en fait là il y a ça là. Tout ça là je l'ai pas exploré. Comment on y va? Genre là. Genre ça là, c'est trop chelou. Déjà, on peut descendre là. Forcément un truc à faire avec ça. Hein. Ils peuvent pas te mettre un truc comme ça sans. Attends. Là, par exemple, il y avait un truc là que j'ai pété.
Attends. Oh, fils de pute. Attends. Je ne comprends pas. Bon, et là, c'est ouvert. Ça semble fermé. Bon, là, je me dis bien qu'il y a sûrement un boss là. Après, pour le reste, comment on accède par en bas, quoi?
Putain, là, putain, mais... Ok. Ce dragon est affrontable. J'ai l'impression qu'il y a plus qu'un seul dragon là. Ok. Mes chers enfants, notre pause. périple et nous n'allons pas continuer le niveau parce que ça m'énerve. À moins que depuis le début. Et on peut pas sauter dans celui-là. Mais ça me tue, ça. Comment on arrive là? Attends, là, là. Attends. Non, on meurt direct. On va continuer le jeu. On va essayer de faire le pénétrateur là. À moins qu'il y ait. Je regarde la liste de boss. Allez. Alors, sur la fin, Vanguard. Il y a. Ok. Alors, attends. Ça, c'est le monde 3. 3. 3, tout est fait. Toi, t'es cassé. Cinq, tout est fait. Monde 4, il manque un boss.
Alors, 1, 2, 3, 4, c'est celui-là. Non, mais non. Bon, 5, tout est fait. Ici, il me manque un seul boss. J'ai l'impression que c'est l'espèce de merde qu'on a. Vanguard. Putain, le problème, c'est que j'ai pas le nom en français, quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être, je ne sais pas. Oh. Je te dis ça, Ok, les squelettes me donnent des restes d'âme, parce que ce ne sont que des squelettes. Ils ne sont pas vivants, quoi. Et regardez-moi ce monstre majestueux. Oh, en plus il vole. Ah. Attends, je reviens. Je vais voir si j'ai ton épée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Combien de boss il me reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. J'ai pas l'impression d'avoir ton arc, mec.
Voilà, portée qu'il a le bâtard! Qu'est-ce que t'as, gros là? Qu'est-ce que t'as? Oh, arrête de se loquer ce con d'ennemi de merde. Programme 50. Enfin, cette cam, elle est ignoble. Mange tes morts. Il m'a même pas donné l'épée ni rien. Ok. Ah.
for self-delusions, the Makoto is no sword for the faint of heart. D'accord. J'ai vu un truc là à l'instant, je suis pas fou. Tiens. Je pense pas que les objets de quête, ça te ralentisse.
Ok, bon. J'ai pas trouvé grand chose. Hein. Ça, cette musique est terrifiante. Hein. Regardons. Alors. Dragon God 2-3, quoi? Alors là, je comprends que dalle. Ah, le brouillard, merci.
Tu pourrais taper là où je loque l'ennemi, connasse? Chien. Je ne comprends pas le jeu. Attends, est-ce qu'il est contrôlable? On va regarder les trucs. Ça me casse les burdes. Là, c'est très bien passé. C'est là qu'avec Adrien, ça se passe assez bien, donc c'est assez cool. T'as pas répondu à Ponce quand il t'a acclamé. Non, c'est vrai qu'effectivement, il a tout à fait gueulé. Antoine Daniel! Ouais, Antoine! Ouais! Je vais même vous dire un truc très sérieux entre nous. Si on n'a pas tous chopé le Covid-19, honnêtement, c'est un putain de mythe. Alors, effectivement, les gestes barrières ont été respectés. Jusqu'à certaines heures de la soirée, bien sûr. Moi, je sors quasiment plus. Hein, je suis un ermite et tout. Et je suis, j'ai un petit entourage, quoi, avec des amis proches, tout ça et tout. Du coup, quand on sort, mais là, vu qu'on était 1 million, on s'est dit autant faire la fête, quoi, un petit peu tranquille. Et du coup, on a fait 3 bars en une soirée. 3 bars en une soirée. Dont un deuxième bar qui était un bar gay, totalement. Sur plusieurs étages. Très sympathique. Les gens étaient très sympathiques. Mais ce qui était encore plus incroyable, dans le noir, il y avait un écran avec, comment dire, bon, je vais un peu expliquer, hein, mais comme il a utilisé ces mots, les mots exacts, c'est les hommes qui se dégustent entre eux, tout simplement. C'était un petit peu 3 laps parties sur les écrans, on va pas se mentir, mais très sympathique endroit, en tout cas, très sympathique endroit. Au-dessus, t'avais une sorte de donjon. C'était en fait une salle avec des canapés un peu pour si on n'a pas chopé le Covid ou autre chose, enfin, bref, les canapés on s'est dessus et il y avait sur les murs, c'était recouvert de photos de tub. C'est aussi ça l'Asylum, ça c'est les gens que vous ne voyez pas bien sûr, pour résumer, week-end de lourds en rebondissement,
plein de choses sympas, plein de belles rencontres, plein de gens cool, plein de très bonnes soirées. Et j'ai beaucoup aimé faire le cast. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'estime avoir fait. Je me suis vraiment dit ça sur place. Je me suis dit vraiment, j'ai fait le bon choix en allant sur Twitch. Et vraiment, ça m'a fait le moral très haut. Vraiment, YouTube, à YouTube, c'était plutôt la courbe contraire, on va pas se mentir. Donc, vraiment, j'estime avoir fait le bon choix. Bon, il est temps de se casser pour ceux qui ont envie de s'amuser à aller sur votre stream. Parce que là, les amis, nous allons passer sur le jeu maître de cette chaîne à l'heure actuelle. Donc, je m'efforce à moins y jouer, bien sûr. Nous allons passer sur GeoGuessr en solo. GeoMerding solo. Tout seul. À l'ancienne, cousin. 10 heures en 5 minutes. Et ça, c'est les States. C'est complètement les States. C'est les États-Unis d'Amérique du Nord. Des conifères, bien sûr. Donc peut-être plutôt la côte est. Mais peut-être que je me trompe. Et des maisons en briques. Souvent c'est côte est. Ça pourrait aussi être le Canada. On ne sait pas trop pour l'instant, les amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, un très très gros continent. Nous avons State Law. Ah, loi de l'État. Donc nous sommes dans un État. Tu as vu de quel État tu t'es mis dans tous ces États. Les États-Unis d'Amérique du Nord. Regarde, quand tu me dis ça, on va croire que tu t'amuses. C'est le guesser quand même un peu de sérieux. Pardon, excuse-moi. Catonsville. Vous connaissez Catonsville ? Une Baltimore. Ah, j'ai regardé The Wire. Regardez The Wire. Si vous êtes déjà merde. Ah, mais c'est à côté de Washington. Mais du coup, nous ne sommes pas à. Catonsville, juste ici. Ah oui, j'avais oublié que le jeu était très facile. J'ai oublié ça, effectivement. Overbrook Road qui croise, évidemment. Quelle route. Frederick Road. Attendez, j'arrive. J'arrive tout de suite. J'arrive, c'est immense. Vraiment imminent. Vraiment, ça arrive vraiment d'un instant à l'autre. Vraiment, c'était de l'autre côté. Oui, c'était de l'autre côté. Excusez-moi. Du coup, c'est imminent. C'est quoi ça ? Okay. Ah, merci. Overboard. Retour de départ, je me souviens. Tac, et nous sommes. Ça fait très Afrique, probablement. Oui. Oui. Afrique, un peu climat tropical. Je ne vois pas les choses qui m'intéressent. Ligne jaune, comme ça, là, vu la gueule des routes, je dirais peut-être. Soit Afrique du Sud, soit Eswatini, soit Lesotho. Mais je dirais plus Eswatini ou Afrique du Sud. Voire même, je dirais plus Eswatini. Voilà, mange tes gros morts, toi. Oh putain, bon bah à la base je voulais juste farmer de l'XP et surtout de la vie, et je me suis dit bon, on va retenter le boss quoi, parce qu'il est à côté de moi. Et bah il a mangé sa mère, hein. Voilà, Percevette, conquérant de l'enfer. Oh putain! En fait, il fallait juste le spam. En fait, j'ai remarqué que le feu l'immobilisait. Donc, je l'ai fracassé, quoi. Je l'ai fracassé, le colis. Qu'est-ce que tu as, toi? Je vais me donner un petit peu de vie quand même. Hein. Restore mon arme. You'll come back alive. Hello again. Oh!
Ah. Je peux pas le porter. Parfait. Parfait. Faut se suicider maintenant. Et je me suis trompé de d'escalier. Par contre, j'ai vraiment plus de soins là. Donc ça va quand même aller sur cette session de farm juste après parce que... Oh shit! Bleh. Du transperceur du strange. Ils ont tué une sacrée bête. Attends, toi t'es fort quand même. Ah. Oh bah alors. Ouais.
épée transperçante. Ok. Au prochain, messieurs. Viens à moi, que je te déchire, que je t'écorche. Par contre, lui, il a un bouclier, ça va me faire beaucoup plus chier. Ouah, putain, il m'a donné 23 000, le con. Ah non, mais non, j'avais encore 10 000. Je crois, je sais plus. Toi, t'as un bouclier... Tu as un gros bouclier, une grosse masse, et moi je n'ai rien du tout. Je suis sûrement le mec avec le moins de stuff du monde sur ce let's play. Oh là 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 là, putain, je crois que personne n'a fait le jeu comme ça. Bah, alors lui, il s'est dit, bon ça va, il est pas dangereux. Grand bouclier. Allons mettre tout ceci en sécurité. Ah. Et coupons le run. Voilà, on peut reprendre. Voilà, c'est histoire de sécuriser le... Merci. Bon, on roule bien sûr le jeu, c'est bien. Alors, par contre, je vais regarder après, juste après avoir battu le dernier boss de ce monde, j'ai regardé où se trouvent les boss cachés. Parce que j'ai peur de me faire bloodborniser, c'est-à-dire... oh, coucou, le jeu recommence. Bon, non, il n'est pas censé recommencer, mais bon, voilà. Hein. On connaît ce jeu de pute, hein. Bonjour monsieur. Oh pardon madame. Putain, pas compte.
Ah ah ah! Si je pouvais te prendre par le cul. Son arme a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'était une magicienne. Merci. Ouh. Alors, droite ou gauche? Allons, droite, je ne sais pas moi. Là. Et là. Vas-y, viens, 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 viens là, viens là. Viens. Calmez-vous, monsieur.
Je vous avais dit de vous calmer. Alors. Oh. Oh. Ça, par contre, il y a Dark Vador qui respire là, c'est terrifiant. Viens là. Toi aussi t'as envie de chier, tu te retiens? Magnifique. Mange-moi le chibre.
Cassez-vous! Ouah, ça rame du cul. Oui, maintenant j'ouvre le lecteur CD, je m'emmerde plus. C'est bon. Hein. On a trouvé le glitch ultime. Nous allons l'utiliser. Quoi? Qu'est-ce que t'as? T'as fini? Hé hey, tu vas sortir, hein. Stop. Allez. Alors, où devons-nous passer? Quoi? Ça m'a... Oh putain! Si à nouveau les ennemis.
Mais où est la porte, putain? Là, je dois dire que je comprends pas trop. Hein. C'est censé être quoi le boss de cela là? Le Blue Dragon. Non. Ah, il y en a deux. C'est soit le Faux Roi, soit le Blue Dragon. Oh, que c'est long. Ah! Oh là là, le glitch. Oh, comment j'ai baisé le jeu. Oh. Ce sera celui qui fera tomber l'autre. Au revoir. Putain. Bon là j'ai masse âme. Oh, des esclaves. Comment ça agir?
que trépasse si je faiblis. Bah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement le mec de Sword Art Online. Oh là 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 là! Oh mais c'est le général Bison. Vieux roi Alain, d'accord. Oh, c'est le thème. Oh. Oh. Ah. Ok, il les déterre lui. Oh. Now, now. Oh oui, mais non, on s'emmerde plus. Hein. Oh, elle a déjà réussi à glitcher le dragon. Mais, je... oh, oh. Mais attends, mais quand tu veux passer ce dragon en vrai? Tu peux pas? Si? Putain, il y a le thème et tout de Demon Souls. Là, là, là. Ça, ça se voit que c'est un boss de fin, ça. Baba. Dop, dop. Bop, bop. Allez, allez, allez! Je veux battre ce boss. Je veux le terrasser. Je ne sais pas si j'ai actualisé mon truc. Non, j'ai pas mis le pénétrator. Penetrator. Donc là, on est au faux roi. False Kings Demons. Oh my god! Peste vite, allez! Je sais même pas si j'ai un os de retour dans ce... Ça y en a pas beaucoup, hein. Calmez-vous. Bada. C'est une énigme. Attends, bah, le... Attends, mais c'est... Attends, attends, attends. Quoi? Alors, peut-être qu'il faut que je le batte...
avec un autre item, parce que ça peut être possible hein, dans ce jeu de merde. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne comprends pas. Bon, ça, le Blue Dragon, on l'a vu. Alors, comment affronter ce truc, je ne sais pas. Après, est-ce que c'est un boss ou un sous-boss? Je sais pas, parce qu'il n'y avait pas de barre de vie. Hein. En même temps, tu peux pas te barrer d'un coup. Hein, quoi que... En soi, si, parce que dans Demon's Souls, tu peux te barrer, hein, clairement. Clairement, oh putain, ceux qui n'ont jamais fait ce jeu, ils vont vraiment ne rien capter quand ils vont affronter les trois connasses, là. Avec le vieux grincheux au-dessus. Il faut peut-être un item spécial, peut-être qu'il y en a dans le palais, dans la zone de duel. Qu'y a-t-il? Bon, dernière tentative, et après, pause. Putain, percevait t'es tellement déter, oh là là. Tu portes en toi les gènes de tes ancêtres. De tueurs, de démons. Quoi qu'en soit, percevait elle se passe... je me rappelle plus dans le RP où est-ce qu'elle se situe. Parce qu'en soit, c'est la fille de Perceval. Donc... dans le RP, hein, c'est dans le RP de Kaamelott. Hein, donc en soi, ça peut se mettre dans n'importe quel RP de n'importe quelle légende de Arthur. Hein, parce qu'il y a Perceval partout. Hein. Disons que ça, c'est tout début et qu'elle engendrera. Comment je l'avais appelé? Gertrude du Nord. Quelle adilité. Vas-y, passe le brouillard! Putain, aussi grosse que sa fille, quoi. Aussi con que son ancêtre. Si je reste là. Oh là 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 là. Votre Majesté. Ah ah ah. Putain, ça 5 à PV, hein. J'ai complètement oublié.